Luchi, fais monter mes bras pendant le deuxième inspire qui s'appuie sur le tantien. Encore, j'expire, je fais le premier inspire, puis le deuxième, et je sens que mes bras se font pousser. J'expire et je recommence. J'ajuste la poussée sur le tantien et voilà, je ne lève pas les bras. C'est le chi en dehors de moi qui pousse mes bras en hauteur. Et ça a des influences dans les mains, encore une fois. Allons-y jusqu'à l'influence à la fin du deuxième inspire. Ho. Hi. Hi. Et je cherche cette influence-là. Là. Voilà, il y a quelque chose dans les poignets qui se passe. Il y a quelque chose dans les mains. Les mains reçoivent. Et à l'expiration, on pense, vu de l'extérieur, on voit que les mains redescendent devant nous. Ce n'est pas ce que nous ressentons. Ce que nous ressentons, c'est quoi alors? Les mains ne sont pas à l'extérieur, voyons. Voilà, le sommet du crâne. Et les mains descendent dans le mât. Autour du mât, à l'intérieur,